Et franchement, il y a un truc qui serait énorme. Ce serait d'avoir un truc qui fait que ça change de skin tous les rounds. Complètement inutile, parfaitement indispensable. À la Fortnite? Attends, tu viens de dire quoi là? Alright, I'm gonna show you guys. I'm in Pro League. Me, I'm Mary. Oh, Mary, really? Elle est toujours en dessous de la carte. Il allait pas s'arrêter dans son mouvement. S'arrête pas dans son mouvement. L'autre il va le pousser. Je vais essayer de le récupérer. Là je loupe la tête comme une grosse merde. Et là derrière il continue. Je l'anticipe. C'est carotte dans la gueule quoi. Derrière. Ah, à terre, je peux pas le finir. Et un mort. Le premier spawn kill, le fait de décaler à la terrasse. Non, franchement, en règle générale, ça passe difficilement, quoi. Mais tu le tentes quand même, hein. Même dans du Hello Diamant, tu le tentes, quoi. En revanche, le deuxième spawn kill, même en Hello Diamant, t'as plein de gens qui prennent l'échelle, hein. L'erreur de prendre l'échelle. Et même si c'est pas l'échelle, t'as quand même l'animation quoi. T'as quand même un moment où t'es mort si tu montes à cet endroit là. C'est une animation de rappel pendant laquelle tu n'as rien. Arrivé en haut de l'échelle, c'est une animation pendant laquelle tu n'as pas d'arme. Donc voilà quoi. Ou alors c'est compliqué pour le rappel. Ouais, je sais. Ibana, non? Ibana. Allez, on est mort. Sur Bing, c'est quelqu'un. Ok, il arrive. Il est à terre. Finis-le, vas-y, prends ton kill. T'es sûr que c'était la cam sur... Un main. Mort. On a quelqu'un dans le kitchen. Derrière. Mort. Ah, oh, souris poulet! Non! Parti. On y va, on peut planter. Je plante. Il est flash. Oh là, c'était moche. Ah ouais. Mort. Ça parle, le smoke un peu. Chacun a un mira. Nice, nice. Mort. Dans le connecteur. T'inquiète, il est mort. Ah, bien vu. Quel monstre. T'aurais pas gagné. J'aurais pas fait un ace surtout. Ah ouais. Prétendre coach, en fait, aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui expliquent ça, que ce soit en vidéo, enfin, je veux dire, il y a très peu de personnes qui partagent leur taf, justement, sur ça. Du coup, on n'a pas vraiment de fil conducteur, en fait. Bah, c'est pas comment ça marche. Pareil, c'est le genre de truc, ça fait partie de ces emplois où tu vas pas trouver une vidéo YouTube avec un tuto, c'est clair. C'est sûr, ça c'est clair. Je suis d'accord. Donc, le meilleur moyen, c'est de se lancer, tu vois. Le meilleur moyen, c'est de se lancer. L'avantage, c'est que... Je sais pas en fait. J'allais dire que à l'heure actuelle, les places sont moins chères en tant que coach de grandes équipes et c'est plus rapide. C'est-à-dire qu'une personne qui demain
serait complètement inconnu au bataillon et de la communauté. Et décide et arrive avec coach d'une équipe qui gagne en Pro League. Sous-entendu bien sûr que bah, il, c'est un bon coach. Ça peut se faire en une, je sais pas, en 6 mois je pense. 6 mois, 6 mois. Il faut que tu perfes avec une équipe de Challenger League, tu vois. Et après à un moment, soit t'abandonnes le navire parce que tu sens que bah, les mecs sont très bons mais ils ont atteint leur full potentiel. Okay. Et dans ce cas là, bah, tu commences à faire parler de toi. C'est extrêmement important, hein. Joueur pro, coach. Soignez votre communication, Twitter, etc. Mm-hmm. Il faut en entendre parler. Une personne par exemple comme Morgzas, il a été coach des Mouseport. Bon, j'ai jamais trouvé que c'était un excellent joueur, pour être tout à fait franc. Voilà, c'était un joueur qui suivait énormément moi à l'époque où j'étais Pinta. Et il est devenu coach parce que bah au début tu vois surtout sur les petites structures, le coach c'est un peu l'homme à tout faire, il est pas que coach quoi, tu vois, t'as pas une casquette de coach, ouais, etc. C'est un peu le porteur d'eau, coach, manager, voilà quoi, l'homme à tout faire, ouais. Donc faut trouver des pracs, etc. Faut vraiment aller dans une logique d'accompagner une équipe vers la win, tu vois. Mm-hmm. Et après bah tu peux te faire repérer assez vite en fait, hein. Tu peux te faire vraiment repérer assez vite. Et le meilleur moyen bah c'est de commencer tout de suite en fait. Mmh. Et il faut commencer tout de suite, même avec une équipe qui est pas ouf. Mais là, faut taper quand même des équipes qui sont dans des qualifications de Challenger League, quoi. Faut taper du tiers 3, 3.5. Des équipes qui seraient full copper, remplies de gens qui ont 15 ans, ça sert à rien. Tu peux prétendre à mieux, d'accord ? Moyennant le fait que tu ne fasses pas que du coaching et que tu comprennes que bah, t'auras plusieurs casquettes, quoi. Et que tu seras pas payé au début, peut-être. Gilet, les enfants. Yeah. Protect the bombs. Vous voyez ? En rond. Et il y a 4 personnes qui peuvent se servir d'un coup. Alors que s'il y a un bureau qui fait. Qui rentre dessus comme ça. Qui se met en plein milieu. Reviens à l'histoire des pièces TP. Ah oui, donc. Je l'ai vu sur, le live de Dr. Disrespect d'ailleurs. Avec un footcam très très bien. Très très marrant ce qu'il avait fait. Et en fait, il y a bien des mecs qui ont inventé bah, tout simplement 2 pédales. Alors pas des pédales, de truc de voiture quoi. Pas un truc analogique où il faut appuyer là pour que ça fasse, tu vois. Un tout petit truc comme ça, un peu comme des pédales de guitare électrique, tu vois. J'y connais rien, guitare électrique. Mais les petits trucs là, clac clac clac, t'appuies sur le truc. Et il a mis ça au pied. Et je me dis franchement que pour se pencher, ça doit pas être mal. Ça doit vraiment, vraiment. Je sais que ça a l'air con, mais je pense que. Je pense que ça doit pas être mal. Bon, à la fin de la journée, je pense que t'as fait 3000 pas, quoi. Surtout sur Rainbow Six où tu dois être. Bolo, il doit être comme ça, tu sais. Bolos.